Certaines imprimantes 3D arrivent avec un plateau lisse et un bâton de colle. C'est le cas pour la Bamboo X1 et sa Cool Plate. Le principe est simple. Avant chaque impression, j'applique un peu de colle sur le plateau. L'idée est de recouvrir seulement la surface que je vais imprimer. Au niveau de son utilité, il y a deux écoles. Certains disent que cela améliore l'adhérence à la première couche, d'autres pensent que cela facilite le retrait de la pièce en créant une pellicule entre la pièce et le plateau. Sur papier, ça semble cohérent, mais pour ma part, je me retrouve dans aucun cas de figure. À mes débuts avec la X1, malgré une généreuse couche de colle, j'étais contente quand le filament adhérait enfin correctement. Et une fois l'impression terminée, la pièce était si bien fixée que je craignais d'endommager le plateau à chaque fois que je la retirais. Je suis choquée de revoir ces images. Vu la résistance, je suis étonnée de ne pas avoir arraché un bout de revêtement. Et au passage, mon plateau était tout le temps dans cet état. Ça me prenait un temps fou pour le nettoyer correctement avant chaque impression. Tout ça pour au final lui remettre une couche de colle par-dessus. Maintenant, j'ai trouvé une astuce pour m'en passer et je dois le dire, ça me facilite la vie. Les pièces se détachent sans effort et mes premières couches sont toujours parfaites, comme l'état de mon plateau. D'ailleurs, si tu cherches des astuces dans le 3D et dans la création, je te laisse t'abonner. Maintenant que c'est fait, c'est parti. Premier point, pour garantir une bonne adhérence de cette fameuse première couche, mon plateau doit être propre. Pour ça, j'utilise de l'alcool isopropylique. Jamais en contact direct avec le plateau, j'applique quelques gouttes sur un chiffon microfibre et je passe rapidement dessus. L'alcool s'évapore et mon plateau est nickel. On va pas se le cacher, c'est une solution de facilité. L'alcool est relativement agressif pour le revêtement, donc le mieux c'est quand même du liquide vaisselle et de l'eau tiède pour prolonger sa durée de vie. Quoi qu'il en soit, une fois nettoyé, je ne le touche plus avec mes doigts. C'est important pour ne pas transférer le sébum, c'est-à-dire la graisse qu'il y a sur nos mains, sur le plateau. C'est une règle de base dans l'impression 3D qui m'a permis de résoudre beaucoup de problèmes d'adhérence. En général, je le fais toutes les 5 à 10 impressions ou si je n'ai pas utilisé mon imprimante depuis un certain temps. Et c'est encore plus important quand le plateau est neuf. Je ne me pose même pas la question, je le fais d'office dès le déballage. Deuxième point, j'augmente la température du plateau. Dans Bamboo Studio, sous l'onglet filament, je sélectionne là où les bobines concernées et dans la fenêtre qui s'ouvre, j'augmente la température de la première couche de 35 à 60 degrés. Pour les autres couches, je laisse les réglages d'origine. Avec une imprimante en caisson fermé, je désactive le ventilateur auxiliaire. Ça préserve l'effet de warping ou de décollement de la pièce pendant l'impression. Quand l'impression est terminée, je laisse le plateau refroidir à température ambiante, ce qui prend environ 15 minutes. Je plie légèrement les bords de chaque côté. Et là, magie, les pièces se détachent toutes seules. Mon plateau est comme neuf, je n'ai aucune trace. J'ai aussi l'impression que le revêtement s'use moins vite étant donné que je le nettoie moins souvent. Ces conseils s'appliquent avec le PLA et seulement si les paramètres de base ne suffisent pas. Par exemple, pour le filament carbone, comme c'est le cas ici, les paramètres d'origine ont très bien fonctionné. Alors qu'avec le filament en polycarbonate, j'ai dû préchauffer le caisson pendant quelques minutes à 110 degrés, augmenter la température de la buse de 10 degrés et créer un support tout autour de ma pièce. Chaque filament et chaque marque ont leurs propres caractéristiques et exigences, tout comme les différents types de plateaux. Un plateau texturé, par exemple, n'a généralement besoin ni de colle ni de laque, du moins sur certaines marques d'imprimantes. Et pourtant, avec celle-ci, c'est bien la colle qui m'a sauvée. Comme quoi, c'est important de connaître un minimum le fonctionnement de sa machine et des matériaux qu'on utilise. C'est ce que révèle Jean-Michel 386 dans son commentaire sur ma vidéo précédente. Sur ça, Meret répond qu'on doit plutôt se réjouir d'avoir à l'heure actuelle des imprimantes clés en main qui permettent d'imprimer sans devoir mettre les mains dans le cambouis. Au final, ils ont tous les deux raison. Même si à l'heure actuelle, certaines imprimantes facilitent la prise en main avec une gestion automatique du débit de filament, adaptation de la vitesse d'extrusion et autres, ça reste de la mécanique avec ses failles. Être renseigné, ça permet de faire moins de bêtises. Comme par exemple, démonter toute l'imprimante pour au final se rendre compte qu'on utilise un filament de mauvaise qualité ou trop humide. Mais voilà, c'est une autre thématique. D'ailleurs, celui ou celle qui trouve le prochain sujet que je vais aborder dans le 3D, je reprends ton commentaire et je t'épingle dans la prochaine vidéo. Allez, je t'aide. Premier indice, c'est un filament. Mais lequel? Et va voir la vidéo sur le rendu lisse et sans post-traitement, ça te permet de réaliser de plus belles impressions. Et nous, on se retrouve bientôt. À la prochaine!